Tu regardes pas la surprise, hein. Tu es prête ou pas? Tu me stresses, moi, mais tu me stresses de ouf, je te jure. Mais non. T'inquiète, ça va bien se passer. Oh là là, ça y est, ça va arriver, je vais découvrir la surprise. Qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce qui m'a réservé? Qu'est-ce que je vais voir? Il y a la boule au ventre. T'es prête ou pas? C'est bon? Bah oui. C'est là. Ah, oh, c'est beau. T'aimes bien? Mais c'est trop mignon. T'as jamais j'aurais cru ça de toi. Allez, viens, assis-toi. Ah, oh, tu me tiens la chaise. Salut, madame. C'est trop mignon. C'est trop beau. Je suis contente que ça te plaise. Je suis choquée avec les pétales par terre et tout. Oh, mais c'est splendide. Et ça me fait tellement plaisir, cette surprise. Je m'y attendais, mais pas à ce point. Pas aussi beau, pas aussi bien préparé. Je sens vraiment qu'il y a mis de son cœur, qu'il veut vraiment que ça soit réussi, que je sois contente, que je sois heureuse. Et ça, ça me fait le plus grand bien. Tu sais que tu vois que ça dans les films. J'ai voulu qu'on se rappelle de ce moment, quoi. Mais je pense qu'on va s'en souvenir. J'espère aussi. Merci. Elle en a plein les yeux. Moi, je suis trop content parce que le romantisme, c'est pas pour nous. Mais j'ai voulu faire les choses en grand. Et pour Charlotte, ça vaut le coup. Donc, je regrette pas. Vu sa réaction en plus, voilà, c'est que du bonheur. À quoi, du coup? À nous. À nous? À notre histoire. Mais si je devais te demander ce que tu ressentais là maintenant, tout de suite, genre. C'est quoi? C'est trop bizarre, en fait. Genre, je la connais pas, cette sensation-là, tu vois, donc je peux pas te la... C'est ouf. Mais je t'aime bien, quoi. C'est ouf. La vie, je te jure, c'est abusé. J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. T'aimes bien, genre, tu vois. Mais même comment on se regarde. J'ai jamais regardé comme ça, moi. On dirait que j'ai 5 ans. Comment on rigole, on dirait des teubés. Ouais. On est tellement dans notre bulle. Je veux être qu'avec toi, en fait. C'est fou ce que je dis quand même, je me reconnais pas. Je sais pas ce que j'ai. Mais c'est beau. Comment elle me regarde, comment elle me sourit. Je sais qu'elle joue pas du tout. Moi, de mon côté aussi, c'est pareil. Et je pense que ça va mener à quelque chose de fort. J'attendais vraiment la bonne personne et je pense que la bonne personne, ben, c'est Charlotte. En tout cas, t'es très belle comme ça. J'ai failli m'étouffer. Ça passe. Ça passe. Attends, tu m'as dit que j'étais belle sans te lancer de perche? Bah merci. Toi, je te le dis constamment. T'es beau, tu sens trop bon. Oh, mais après, c'est un peu la réalité, quoi. De quoi? Que je sens bon. Pas que je suis beau après, ça. Si, t'es un beau mec. Mais je pourrais pas rêver mieux, je pense. J'ai l'impression vraiment que je suis seule au monde avec lui. Je fais abstraction de tout. Je vois que lui, que son regard. Je bois ses paroles. Je pouvais pas rêver mieux, en fait, comme surprise. Mais on parle, mais en fait, on est... On n'est pas en couple. Ils sont bien dans le discours. C'est vrai qu'on n'est pas ensemble. Hein. Ah, c'est now or never. Je l'ai fait pour toi, en fait, je savais pas. Et du coup, tu en penses quoi? Le quoi? C'est le bon moment, c'est pas le bon moment? Ben, je pense que moi, tu le vois, genre... Moi, je pense que c'est le bon moment. Mais c'est incroyable. Je me sens tellement bien, mais on ne se lâche plus, on est collés. Oui, oui, c'est bien mon mec qui est en train de m'embrasser. On continue. Ah, c'est l'heure. Oh, Flo, c'est l'heure. C'est l'heure de la galoche. J'ai oublié le temps. Maintenant, je peux te dire une chose. Je suis bien avec toi. Ce bisou, je peux pas espérer mieux. Dans mon ventre, c'est feu d'artifice, hein. Je la lâche pas, hein, sa bouche. C'est tellement bon, en fait, que je pourrais rester toute la journée comme ça à l'embrasser. Franchement, c'est un pur plaisir. Et ça y est, Charlotte et moi, on est en couple. C'est un truc de fou.